garde jaune. Il faut se méfier avec les papiers. Car c'est vrai qu'il y a beaucoup de faux papiers, comme le disait madame, on prête des papiers, etc. Par exemple, la maternité de l'hôpital Saint-Antoine à Paris accouche la même femme tous les 2 ou 3 mois. Ce qui est un miracle de la biologie, évidemment. Mais on comprend que le patron de ce service, voyant arriver une femme enceinte sur le point d'accoucher, oui, l'accouche. S'aperçoit dans les archives qu'elle a été accouchée déjà il y a 2 mois, 4 mois, 6 mois. Et quand il a voulu téléphoner à la mairie pour savoir comment ça se passait, on lui a répondu « ça, ça ne vous regarde pas ». Alors il en a parlé à l'Académie de médecine où on l'a dit « ah mais à Clermont-Ferrand, nous avons un collègue qui, lui, a retiré 17 fois l'appendicite au même ouvrier de chez Michelin ». Donc, avec des faux papiers ou des vrais papiers qu'on se passe,